Connue pour son franc-parler en toutes circonstances, Brigitte Bardot a été questionnée par le JDD sur la série consacrée à sa vie que Daniel et Christopher Thompson tournent pour France 2. Et sa réponse a été « on ne peut plus expéditive ». Brigitte Bardot est une véritable icône. D'ailleurs, la star qui continue son combat contre la maltraitance animale est régulièrement mise en avant pour son parcours fascinant dans des documentaires comme celui que lui a consacré BFM Télévision en décembre dernier, intitulé « Brigitte Bardot, confidentiel ». Ce dernier a notamment évoqué son rapport troublé à la maternité ou encore les violences conjugales dont elle a été la cible. L'occasion pour le public de la découvrir sous un nouveau jour. Une série pas du tout validée par Brigitte Bardot. Que ce soit dans les médias ou sur ses réseaux sociaux, Brigitte Bardot n'a pas peur de s'exprimer sans filtre. Il est vrai que la star des années 60 est connue pour ses coups de gueule virulents. Elle en a encore donné la preuve ces dernières heures dans le journal du dimanche. L'hebdomadaire l'a interviewée à l'occasion de son entrée, à la 49e position, dans le classement des 50 personnalités préférées des Français. Alors que France 2 diffusera cette année une série en 6 épisodes retraçant la vie de Brigitte Bardot, réalisée par le duo mère-fils Daniel et Christopher Thompson, nos confrères ont voulu savoir si la star du mépris avait été contactée par la production. Et la réponse a fusé. « Je ne suis même pas au courant de ce truc », a lancé l'octogénaire, avant d'ajouter, « mais je m'en moque, la seule chose qui importe s'il estime ma vraie vie avec moi dedans. » Et pas des biopics à la con. Un personnage qui fascine plus de 60 ans après avoir commencé à être sous le feu des projecteurs, Brigitte Bardot a choisi de rester loin des strass et des paillettes. Gêne et souper des projecteurs, alors ça me fait plaisir de m'installer dans une lumière complètement naturelle. Qui me va bien et me rend heureuse, cesse-t-elle justifier. Pourtant, cela ne l'empêche pas d'être régulièrement évoquée à la télévision. Un intérêt que celle qui est proche de Marine Le Pen n'arrive pas à expliquer. Ou presque. Il doit exister un lien avec ma simplicité de vie. Le fait que je ne baisse pas les bras et que je réponds beaucoup à ceux qui ont besoin d'aide, quand quelqu'un est seul, malade ou dans la détresse, je m'en occupe, a-t-elle suggéré. À lire aussi le dur constat de Brigitte Bardot sur son fils unique, « Il ne m'a pas apporté ce qui me manquait » article écrit en collaboration avec 6 médias.